Ben, salut à toutes et à tous, c'est Tyrone, on se retrouve pour la suite de cette carrière et fin 2017 avec la partie bonus. Et oui, c'est l'épisode bonus. On se retrouve après le premier Grand Prix de la saison qui a été fou, buggé aussi à cause du jeu qui plantait et du volant qu'il fallait remettre à chaque fois. Et nous voilà donc, hein, après avoir discuté avec monsieur, on pourra piloter des voitures historiques. En bonus, dans des petites courses, des épreuves dépassement, des contre-la-montre, des courses-poursuites et tout ça, tout ça. Et donc, bah moi, je vais faire ça de façon assez réaliste, c'est-à-dire que, étant pilote Renault, je vais faire la course-poursuite au Japon avec la Renault de 2006, championne du monde, hein, la R26, avec, vous le savez bien, Fernando Alonso, à son volant. Allez, on y va. On prend celle-là. Épisode portable. Et aller à l'épreuve rétro. C'est parti. Bon, on va voir comment ça se goupille. Vieux jeu. Bon, espérons pas de plantage, pas de soucis. Donc on fera ça sur les circuits, hein, donc de Formule 1, mais court. C'est-à-dire que là, par exemple, on va faire ça sur Suzuka, court. Alors, j'ai pas encore fait les changements graphiques, hein, ça va peut-être encore lagouiller un tout petit peu. Je suis désolé, hein, c'est le jeu qui est pas optimisé, du coup c'est pas, enfin pas très bien optimisé, donc c'est pas facile. Bonjour, et encore mais je vais, j'y arriverai. Quelques épreuves de cette année qui n'affecteront pas outre mesure le championnat du monde. C'est peut-être aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ces modèles emblématiques. Alors le truc c'est qu'en plus, c'est juste pendant les phases de gameplay que ça lagouille. Hein. Vous voyez que là c'est fluide et tout, hein, y a aucun problème. C'est la phase course qui lagouille un tout petit peu. Voilà, bon bref, allez. Je réglerai ça plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti donc. Ah, magnifique. Écoutez ça, je vous laisse profiter un max. Pas facile hein, de la manier cette voiture. Pas de DRS, boîte 6 vitesses. 7 Non, 7, pardon. Ouais, 7 vitesses, pardon. Ouais. D'accord. Bon. Ah ouais, non mais... Ouais, oula. C'est une vraie savonnette. En plus, c'est des pneus rainurés à l'ancienne. Ouais, d'accord. Oh là là, parce que c'est pas facile. Hein. Wow. Bah, je sais pas ce qu'il fallait vraiment faire, mais. Compliqué, hein. Waouh. Très très chaud quand même à conduire. Hein. C'est pas le même gameplay, hein, c'est sûr. Hein. Oui, bah dis donc. Objectif finir premier, bah c'est un cuisant échec qu'on va accepter, voilà c'est tout, on n'a pas été bon, bah allez hop on passe, hein. Voilà on n'a pas été bon, voilà 5 on a fini dernier, bon bah c'est comme ça, voilà c'était l'épreuve bonus, donc bon il y en aura plusieurs durant la saison, c'était mieux avant, ouais alors c'est sûr le son c'était magnifique, hein, le 2006 c'était le V8, hein.
C'était le V8, hein. C'était le début du V8. Le début, attendez, je sais plus si c'est pas 2005 le début du V8. Non, 2005 c'est le dernier V10, je crois, 2005. C'est 2006 le début du V8, ouais. C'est les premiers V8. Bon, qui faisait un meilleur bruit déjà, hein. Bonjour, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Oui. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté... Ah oui, au précédent Grand Prix, oui. Et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Ah ouais, du coup, bah ça va plus vite, on se retrouve déjà en Chine. Réduit de 5% le taux d'usure de l'ensemble des éléments du bloc propulseur à boîte de vitesse, bah ça c'est bien. Amélioration de 10%, super. Ah bah c'est très bien, on a reçu la première des modifications sur la voiture, bah c'est très bien. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce premier épisode bonus vous aura plu. Même si bon, j'ai pas été très bon, hein, mais c'est... Voilà, c'était pas facile de la contrôler cette Renault. Hein. Franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Peu importe le résultat, je me suis bien amusé sur cet épisode bonus. Voilà, donc écoutez, j'essaierai de régler un petit peu. C'est juste pendant les phases de gameplay, hein, parce que tout le reste, hein, soit les cinématiques, le blabla, et tout ça, ça lag pas. C'est juste la course qui lagouille. Va savoir pourquoi. Bon, bref, bon, je regarderai ça tranquille. Écoutez, j'espère que cet épisode bonus vous aura plu. Commentaire, un max. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous plaît de pouvoir piloter ces anciennes voitures, tout ça. Même si vous êtes sur console, hein, peu importe, hein, à la manette ou au volant, hein, on s'en fout, peu importe, c'est de pouvoir discuter ensemble, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça vous plaît, rejoignez-nous. Et puis surtout, max de commentaires, max de pouces bleus, tout est dans la description, venez me voir sur Twitter pour discuter. Si vous voulez acheter ce F1 ou ça vous l'avez pas encore fait, allez-y. Hein. Et puis surtout, on se retrouve la prochaine fois pour le Grand Prix de Chine, l'épisode 2 de cette carrière. Ciao tout le monde, allez, à plus!